Ce soir, c'est un concert de jazz magnifique. Bon, là, comme vous pouvez le voir, tout le monde est parti. J'ai juste voulu vous montrer la salle, mais c'était magnifique. C'était sur Frank Sinatra. C'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le genre de musique que vous aimez, mais moi, j'adore. Donc voilà, c'était bien. Et on est en train de rentrer à la maison. Salut, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais ranger ma salle de bain. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui fait ce que je vais vous montrer. Si vous le faites, il faudrait changer tout ça. Et oui, si vous voulez avoir une salle de bain qui soit plus élégante et plus ordonnée, faites ce que je vais vous dire tout de suite. C'était une. Alors, je ne sais pas si vous avez un grand sink comme ça, mais l'idéal, ce n'est pas de mettre tous ces objets ici. Ça fait foutoir, comme vous pouvez le voir. Donc, l'idéal, c'est de laisser peut-être deux, trois objets qui soient jolis et ensuite ranger tout le reste autre part. Vous les cachez. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais ranger tout ça. Et comme je disais, si vous faites comme moi, ça c'est le avant, je vais vous montrer le après tout à l'heure. Donc, les amis, j'ai commencé déjà à, voilà, à tout réorganiser. Bon, là, c'est ma fille qui a enlevé tout et machin. Donc, du coup, ça crée un petit bordel. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais me chercher d'autres petits paniers et les ranger sous le sink. Voilà, comme ça, ce sera plus propre. Et là aussi, mes petits paniers que j'avais mis là, comme ça, si par exemple j'ai besoin de quelque chose et que je trouve pas, je peux retirer le panier facilement. Voilà. Chercher ce que je veux et le redéposer, et ça fait pas le bordel. Donc voilà, je dois réorganiser tout cela. Donc si vous êtes comme moi pour le moment, que votre sink, je sais plus comment on le dit en français, que votre levier est dans un bordel comme ça, n'ayez pas honte les amis, n'ayez pas honte, dites-moi en commentaire et dites-moi surtout si vous avez amélioré tout cela. Alors, je vais m'y mettre. Pas la peine que je vous montre, ce sera ennuyant, mais je le fais tout de suite et je vous montre le après. Je peux vous montrer comment je range tout ça. Mais pour moi, le principal. Bon, alors, déjà, je change de sujet. J'ai fait mon green peel encore lundi. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, je n'ai pas encore pelé, mais voici ça. C'est un effet, enfin, c'est un effet. Ma peau est très sèche, donc je dois mettre ma crème 3 fois par jour. Je l'ai mis que maintenant, honnêtement. Mais voici à quoi ma peau ressemble. Voilà, je vous le montre maintenant avant que j'oublie. Donc le green peel, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment pour enlever les taches parce que je ne me maquille pas plus énormément, donc j'ai envie d'avoir vraiment une belle peau, donc c'est pour ça que je fais tous ces soins pour avoir une belle peau, comme ça au moins quand je ne suis pas maquillée, même si j'ai quand même des poches ou des cernes, au moins que j'ai une belle peau. Bon allez, je vais ranger tout ça, c'est blablaté, et puis au boulot, allez au boulot, au boulot, au boulot. Donc si ta salle de bain est dans le même état que moi, profite de cette vidéo pour ranger. Voilà, allez, on se met au boulot. Just hold on, just a minute till you.
Je vais donc profiter de ce moment pour nettoyer mes pinceaux de maquillage. Alors, l'idéal, c'est de laver après chaque usage, mais soyons réalistes, c'est difficile pour certaines personnes. Donc moi, je les lave, je fais de mon mieux pour les laver une fois par semaine. Et je sais qu'il y a certains qui les lavent une fois par mois. Donc dites-moi en commentaire, les amis, combien de fois dans la semaine ou combien de fois dans le mois vous lavez vos pinceaux de maquillage. Donc si vous entendez du bruit derrière, désolé, c'est ma petite fille qui est en train de jouer. Mais voilà, dites-moi en commentaire combien de fois vous lavez vos pinceaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout, likez la vidéo. Autre chose, moi je lave mes pinceaux avec du savon ou des fois avec mon shampoing. Il n'y a pas vraiment, je sais qu'il y a des produits spécifiques pour laver les pinceaux, mais sincèrement, je l'ai utilisé et c'est juste du savon. Donc, je n'achète plus du savon spécifique pour les pinceaux. J'utilise, voilà, soit du savon normal que j'ai à la maison, soit du shampoing. Alors, soit vous pouvez utiliser ce petit silicone rose pour laver vos pinceaux. Si vous n'avez pas, vous pouvez laver sur votre main. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel spécifique pour pinceau. Donc vous faites avec ce que vous avez. Soit vous lavez avec le silicone que j'utilise, soit vous faites sur votre main, vous nettoyez le pinceau sur votre main comme je fais en ce moment. C'est la même chose. Voilà, c'est juste que le silicone c'est plus rapide, c'est plus, voilà, c'est moins convenient, mais les deux façons, il n'y a pas une meilleure ou une mauvaise façon de laver ses pinceaux. Alors, je vous montre le après. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, normalement, il faut en mettre moins. Comme ça, ça fait plus joli. Donc, je vous montre de plus près. Alors, donc là, j'ai mes cotons-tiges, mes cotons pour me démaquiller, ma bougie quand j'ai envie de l'allumer pour que ma pièce sente bon. Et là, en fait, c'est pour mettre mes bijoux. Donc, quand j'ai pas le temps de les ranger dans mon meuble à bijoux, et que je veux me laver les mains ou quelque chose comme ça, je les mets à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas montrer l'autre côté parce que c'est le côté de mon copain, mais je vais aussi ranger juste après. Je vais remettre du produit à l'intérieur et puis voici. Donc là, il va juste me rester à ranger la partie tiroir. Et voilà, j'ai terminé. Bon, voilà, je voulais juste vous parler de ce côté-là parce que on a tendance à en mettre trop dessus et du coup, ça fait vraiment fouillis. Donc, less is more. Donc, quand vous mettez moins d'affaires, ça fait plus élégant et of course, il faut choisir quelque chose de très esthétique. Donc, voilà. Et pour vos pinceaux, si vous pouvez les laver une fois par semaine, c'est l'idéal. Mais normalement, on doit les laver après chaque usage. Mais qui a le temps pour ça, sincèrement? Donc, le mieux, c'est vraiment une fois par semaine. Mettez votre alarme dans votre téléphone pour vous rappeler. Alors, une chose encore que je voulais vous montrer. Par exemple, si j'ai mon pot de pinceau ici qui est propre, donc à chaque fois que je vais utiliser un pinceau, je vais le mettre dans mon autre pot à pinceau, donc pour que je sache lequel des deux est propre. Bon, soit j'utilise un autre modèle ou alors en général je mets de gauche à droite. Donc admettons
que mes pots soient là. D'accord? Je ne les laisse pas là, je les range dans mon armoire. Mais admettons, voilà, que je décide de me maquiller et d'utiliser ce pinceau-là. Donc, au lieu de le remettre ici ou avec les pinceaux qui sont propres, je le transfère dans ce pot vide pour que je sache en fait qu'il est sale. Donc, lorsque la fin de la semaine arrive, je peux directement prendre mon pot de pinceau et laver tous mes pinceaux. Donc, dites-moi si c'est quelque chose aussi que vous faites chez vous. Si vous ne le faites pas encore, je vous le recommande. Comme ça, ça évite en fait, même si vous utilisez les mêmes pinceaux pendant la semaine, mais au moins, vous saurez que ceux qui sont du côté gauche sont sales. Voilà, donc c'est ce que je fais toujours. J'ai 4 pots à pinceaux. Donc, après, ça dépend du nombre de pinceaux que vous avez. Moi, j'en ai quand même beaucoup. Ça, c'est vite. Ça, c'est à peine la moitié. C'est peut-être le tiers de ce que j'ai. Donc là, je vais les laisser sécher. Je vais aller prendre un sopalin et les laisser reposer dessus pour que ça sèche plus rapide. Mais ça, c'est mon astuce. Donc, quand j'utilise mes pinceaux, je les mets toujours dans un autre pot à pinceau. Comme ça, c'est plus facile de savoir lequel des pots à pinceau je dois prendre pour laver. Voilà ma petite astuce. Pour sécher vos pinceaux, si vous n'avez pas un essuie-tout, comme ceci, vous pouvez les mettre sur une serviette. Ça, c'est la même chose, ou alors vous pouvez même les mettre au soleil, il n'y a pas de souci. Ça dépend de vous. J'en ai quand même beaucoup à laver, donc je vais plutôt les mettre comme ça. Donc voilà, en général, je les mets comme ça. Parce que si je les descends, que je les laisse au soleil, je vais probablement les oublier. Enfin, c'est trop tracasserie. Au moins là, quand je rentre le soir, je peux les toucher, voir s'ils sont secs, les remettre dans mon petit pot et les ranger. Voilà les amis. Alors, une dernière chose encore. Pour votre produit pour les mains, moi je préfère acheter un contenant comme ça parce que quand j'en ai presque plus, je peux directement faire mon refill, donc je peux en remettre. Parce que si vous achetez celui que vous utilisez avec le packaging, quand il termine, bah, vous le jetez à la poubelle. Donc moi je préfère ça. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est la beauté de faire son refill. Je sais même plus comment on dit refill en français. Bah, c'est ce que je suis en train de faire là, d'en remettre un peu plus comme ça. C'est pratique, ça fait une jolie petite couleur de dégradé orange rosé. Bien sûr, je vais nettoyer tout ça, mais voilà, c'est pratique d'avoir son petit contenant comme ça. Au moins lorsque j'en ai presque plus, je peux en remettre au lieu de jeter ça directement dans la poubelle. Ça, c'est le résultat final. Mon produit pour les mains, ma brosse à dents. Et si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'utilise un tongue scraper. Ça, en fait, c'est pour la langue. Donc, quand vous lavez les dents, il faut aussi vous nettoyer la langue. Donc, au lieu de brosser votre langue avec votre brosse à dents, vous utilisez ça. Voilà, vous utilisez ça et ça fait le travail. Voilà. Ensuite, ma pâte dentifrice, naturellement. Mais j'aime en fait ce qui est, en plastique comme ça. Comme ça, au moins, vous savez, à force de mettre votre brosse à dents, tout devient sale. Au moins avec ça, vu que c'est ouvert, c'est plus facile à nettoyer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ma bougie, ma petite plante, j'ai essayé de mettre des plantes, des vraies plantes, ça ne dure pas. Vu qu'il n'y a pas direct, la plante n'a pas accès directement au soleil, donc elle meurt. Donc je préfère faire ça. Et puis, vous voyez le avant-après quand même, ça fait plus élégant, ça fait plus classe, ça fait plus propre. Il n'y a pas photo. Donc, si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, je vous recommande vivement de le faire. Au moins, et ça, je trouve que c'est très important.
quand vous enlevez vos bijoux, si vous êtes trop fatigué pour les mettre dans votre coffre à bijoux, vous les mettez là. Au moins, c'est pratique. J'adore. Les cotons, moi, je les ferme toujours parce que si vous les mettez dans un bocal qui est ouvert, vous avez tout le temps de la poussière dessus et vous devez les mettre encore dans vos oreilles ou alors sur votre visage. C'est pas très propre. Donc, voilà si ce que je fais. Alors, je vais vous montrer un peu plus. Donc, voilà. Donc, là, je vais faire les tiroirs, etc. Et puis, c'est ma journée ou ma demi-journée nettoyage aujourd'hui. Pour les tiroirs, ça, c'est super facile. C'est pour ça que j'aime mes petits paniers. Je mets tout ici. Vous voyez, c'est trop facile. Je mets absolument tout. Alors, ça, c'est mon parfum. Il est vide en plus. Et voilà. Donc, c'est plus facile, vous voyez, de tout enlever, de nettoyer comme ça, de renettoyer encore les paniers. Bien sûr, moi, je vais tout enlever, nettoyer, mais c'est plus facile, en fait, de retirer les paniers du tiroir, de nettoyer le tiroir, c'est plus facile. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser des petits paniers pour ça. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche aujourd'hui, donc hier. Je ne sais pas si je vais insérer les vidéos dans cette vidéo ou peut-être dans la vidéo de mercredi, je ne sais pas encore, on verra. Mais je suis allée prendre des cours de marche et de pause hier et c'était super intéressant. Avec le programme que je faisais, j'avais déjà pris en fait les cours. Et hier, c'était mieux parce qu'elle nous a donné, elle nous a ajouté plein d'informations qui étaient super sympas. Donc, qu'est-ce que je veux dire les amis? Il faut toujours vous éduquer. Investissez en vous, investissez sur vos enfants. Parce qu'il y a plein de gens que je connais, pas plein. Heureusement, il n'y en a pas plein. Il y en a quelques-uns que je connais qui font les économies sur leurs enfants. C'est stupide parce qu'on travaille pour nos enfants. Si on doit chercher un daycare, ça doit être le meilleur et pas juste trouver le moins cher parce qu'on veut faire des économies. Ça n'a pas de sens. Bref. Donc, moi, j'investis au maximum sur moi. Même si on me dit, oui, mais tu n'as pas besoin de prendre des cours de marche. Tu marches déjà comme ci, comme ça. Non. Il faut toujours prendre, même si tu penses que tu connais, tu ne connais pas en fait. Parce que tu vas toujours apprendre quelque chose de plus. Hier, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je suis très contente d'avoir fait cet investissement sur moi. Donc, il faut toujours le faire. Que ce soit en regardant des vidéos sur YouTube, que ce soit en allant à des conférences, en prenant des cours privés comme j'ai fait. C'est important de continuer à investir sur vous, sur votre bien-être, sur votre savoir, etc. Je suis très contente parce que dans le groupe, il y a beaucoup de filles en fait qui, pas beaucoup, il y en a peut-être 3 qui font des soins constamment, qui prennent des rendez-vous chez leur coiffeur, qui font leurs ongles, les soins du visage, etc. Constamment, je suis très contente de voir ça. Il y a une autre qui voyage énormément. Donc, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'espère recommencer à voyager l'année prochaine. J'espère. Croisez doigts parce que ça me manque énormément. Mais je sais pas. On verra. Parce qu'il y a
J'ai prévu de faire plein de trucs. On va voir à quel rythme en fait tout ça va se faire. Mais les amis, investissez, même si vous dites que oh, je connais cette formation, je connais ceci, vous allez toujours, toujours apprendre quelque chose de nouveau. Parce que même si tu lis un livre, il y a toujours des parties que tu oublies après, même après un jour. Donc le relire même une fois par mois ou deux fois par mois, c'est pas grave. Donc moi j'essaye, j'ai lu le livre Atomic Eden, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Faudrait que je fasse une vidéo sur ça parce que c'est un livre magnifique. Donc je vais le relire parce que j'ai vraiment envie de changer et de créer une routine. Donc voilà, on va voir. Anyway, des choses bien arrivent, des choses concrets, plus posées, etc. arrivent. Donc stay tuned, n'oublie pas de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes futures vidéos, les amis. Et like, et abonne-toi. Si t'es pas encore abonné sur mon Instagram, vas-y, c'est le nom de la chaîne Nadej TV. Sur mon TikTok, c'est Nadej TV. Sur TikTok, je parle plus des relations, de couple, etc. Mais abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Bon, voilà, c'est une vidéo. Je viens de me réveiller, by the way. Je suis fatiguée, mais je dois me lever. Aller jouer avec la petite. On doit recevoir les collègues de mon copain. On va faire un barbecue. Pff, ce sera pas un dimanche reposant encore, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo, les amis.